FDL, la fréquence de loisirs avec ses émissions pour tous nos rêves. Voici celle sur la nature, celle qui évoque les odeurs, les sons, les paysages, les mystères dans notre écrin nivernais Morvan. Les animaux sont plus pressés que d'autres, ils ne seront jamais aussi pressés que nous. La nature a déjà deux grands moments dans l'année. Ainsi, l'explosion de la vie commence au printemps avec une vie intense, l'accouplement, les constructions ou la préparation de l'arrivée des nouveau-nés et l'éducation à la survie. Puis, il y a le deuxième moment qui est la préparation à la dormance et la dormance elle-même. Il est rare chez nous d'avoir un changement de comportement entre le printemps et l'automne. En gros, le boulot, métro, dodo reste un peu identique toute l'année. Et si on se repose, c'est plutôt durant l'été. C'est un premier point. Mais en plus, même dans une journée, nous ne faisons pas de différence entre une journée d'hiver, de printemps, d'été ou d'automne. Et la dernière chose, c'est qu'il ne doit y avoir aucune différence entre les personnes et aucune différence entre les régions. Avouez donc que souvent, nous sommes les plus bêtes des animaux. Et encore, nous ne sommes pas à Paris, sur les boulevards ou dans le métro. Ouf, de ce côté-là, nous sommes déjà bien chez nous dans notre nivernais Morvan. Les deux grandes périodes de l'année, les anciens avaient presque toujours, bien que non dit, deux activités manuelles. Il était facile de voir le hameau se transformer selon la saison. Les gros travaux de force se faisaient plus à la belle saison et les travaux plus minutieux à l'abri et au chaud.
Le bûcheron travaillait le bois et taillait les tavaillons ou les bardeaux, nom différent selon les régions. La remise en ordre des outils, des chariots avec le graissage, les remplacements, sont mieux faits en temps calme que dans l'action où la machine casse. On pourrait même mieux soigner les bêtes à l'étable, ferrer plus facilement les chevaux, que dans les prés en printemps. Malheureusement, à part quelques entreprises où se trouve un côté un peu industriel et un côté plus artistique, comme par exemple la saboterie du Morvan à côté du sceau de Goulou, il est dur d'avoir en quelque sorte deux activités. Mais encore que, il suffirait d'avoir un projet bien ficelé ou d'être à la retraite. En dehors donc de notre activité économique, il y a l'activité qu'on pourrait dire de loisir. Bien sûr, l'activité de loisir la plus tranquille est d'écouter votre radio Fréquence des loisirs, assis au soleil sur une terrasse, avec un paysage de rêve, comme il est facile d'en trouver chez nous. Mais après, qu'aurions-nous par exemple dans les activités de loisirs en hiver ? Eh bien, en période de repos, je dirais qu'il y a deux pôles. Le premier est sur l'observance. Il est bien de garder toujours en éveil ses sens. Or, pour les animaux qui ont encore un peu d'activité, ils se regroupent soit au bord d'un étang, ou dans un coin du grand lac, ou proche de leur nourriture, c'est-à-dire le plus souvent près des habitations. Donc depuis une fenêtre, une terrasse, un coin protégé au soleil, et avec soit ses yeux, soit des jumelles, soit une lunette, il est facile de les contempler d'assez près, et même de très près avec les jumelles.
Comme les animaux sont un peu moins vifs qu'au printemps, il est plus facile d'agrandir le focus et de les toucher, pour ainsi dire, avec les yeux. Après, trouver leur nom et leur habitude demande d'avoir un livre bien ordonné. Un deuxième but serait de prendre des photos. Il y a sur Facebook une réunion de passionnés mis dans la rubrique « Photos du Morvan ». Il y en a pour tous les goûts, mais ce qui est bien, c'est que chacun peut y mettre les siennes avec son côté artistique. Avec l'hiver, on peut dire que toute la nature, dans ses détails, est source artistique. Si vous avez le crayon ou le pinceau facile, il y a des ouvrages pour apprendre à dessiner des oiseaux ou à commencer des aquarelles. Y aurait-il des petits Pierre Labrousse dans nos écoles, nos villages, nos réunions? Et serait-ce vous? Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Il y a tant de fièvre en mon âme d'enfant, il y a tant de lèvres et de cœur méchant, il y a tant de haine en ce monde mauvais, il y a tant de peine à consoler. Malgré toutes les chaînes, il est tant d'amitié, il y a tant d'amour à partager. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Deuxième point des activités pendant l'hiver est de monter des projets. En effet, c'est l'hiver que nous pouvons rêver à certains buts. Puis le jour venu, ou s'il y a une journée exceptionnelle, nous sautons sur l'occasion pour accomplir cette randonnée, cette visite. Pour vous donner un exemple, nous étions début mars et un matin, le froid un peu vif avait purifié l'air et rendu les paysages un peu lointains. Il est sûr que ça ne va pas durer longtemps et qu'il y aura de la pluie le jour prochain. Il faut donc se faire un projet rapide. Donc l'après-midi, je prends la décision de me faire un petit sommet de Morvan pour avoir le soleil couchant dans le dos. Et au miracle, j'avais devant moi la chaîne du Jura, mais surtout le Mont Blanc qui se dessinait avec des lignes très pures. Instant magique
qu'il faut savoir prendre et préparer pour le jour J. Bon, il y a aussi les projets un peu plus lointains, mais nous verrons cela un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai vu quelque chose. Juste avant notre retour d'hiver de ce week-end, j'ai toujours une apparition qui ne dure que très peu de temps. Juste une vision, un regard. Elle me voit, je la vois, et c'est fini pour l'année. Est-ce une fouine, une marthe, une belette? Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Et commençons par la belette, ou comme on l'appelle, la souris carnivore. Elle paraît si affreuse que l'on pourrait croire à une grosse bestiole. Tiens, au fait, faisons une sorte de sondage. Donnez-moi en gros le poids d'une belette et sa longueur. Eh bien moi, pour moi, la belette fait environ 18-20 cm de long, sans la queue, et 80 g pour le poids. C'est-à-dire, en gros, le poids de 4 souris grises de nos maisons. Ou si vous connaissez le campagnol terrestre, la belette fait le même poids. Ce n'est donc pas gros comme un petit chat, loin de là. Vous comprenez donc qu'il va y avoir de la bataille entre la belette et un lièvre qui fait 35 fois son poids. Vous y croyez ? Eh bien non, c'était mon poisson d'avril. En effet, notre belette ne s'attaque qu'aux souris. Et elle aura un avantage que notre grand écrivain de La Fontaine connaissait pour écrire une poésie que voici. La belette entrait dans un grenier. Demoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit cher lit, mangea, rongea. Dieu sait la vie et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grasse, m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son seau, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, « C'est, dit-elle, l'endroit, me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. » Un rat, qui la voyait en peine, lui dit, « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. » Mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. We'll be right back.
Ce qui fait l'avantage, vous l'avez compris, de la belette, c'est d'être le seul petit carnivore à pouvoir entrer dans un trou de souris. Et pour cela, il lui fallait des pattes ultra courtes, un corps fuselé, une souplesse de danseuse étoile. Ainsi, il n'y a pas besoin de se mettre en affût comme les autres ennemis des souris, comme le renard ou la buse. Il suffit de rentrer dans de nombreuses galeries afin d'y découvrir sa proie. Donc, pas besoin d'aller à la chasse au lièvre. Je pourrais même dire qu'après le renard, la belette est parmi les grands amis du paysan. Je ne veux pas me tromper, mais un renard tue environ entre 3000 et 5000 souris ou musaraignes par an. Or, celles-ci mangent de l'herbe, et cette herbe non mangée par les souris ou autres correspondent à la nourriture d'une vache pendant un an. J'avais lu cela autrefois, et je veux bien comprendre qu'il en est de même avec la belette. Un paysan me disait aussi qu'il y avait plus de buses, plus de renards et de belettes les années où il y avait une invasion de campagnols. Si vous tuez les renards, les belettes, pas les buses car elles sont protégées, vous pouvez être sûr que l'année d'après, vous aurez une invasion de mulots, souris, campagnols, là où il y aura de la nourriture. C'est bon à réfléchir, je pense, avant de mettre la belette dans la catégorie des animaux nuisibles. Là où ce serait plus délicat, ce serait dans les élevages des lapins, par exemple, car un lapineau ne se refuse pas pour une belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré en manger tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré en manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. C'est dans 8 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 8 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 7 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 7 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, on mange tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, on mange tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. Mais pourrions-nous reconnaître une hermine d'une belette? Ce sont deux cousines qui se ressemblent tant. Par rapport au poids, l'hermine pèse environ 200-250 grammes. La belette, entre 50 et 85 grammes. Par rapport à la queue, l'hermine a toujours le bout de queue noir. Même en hiver où le reste de son pelage est blanc, la belette a la queue toute brun foncé et jamais de noir. Par rapport au ventre, l'hermine a une ligne franche entre la couleur du ventre et le dessus du dos. La belette a cette démarcation, je dirais, comme en zigzag. De soi, l'hermine est beaucoup plus grande que la belette. Mais toujours, on peut se faire prendre entre une vieille belette et une très jeune hermine. Mais si vous pouviez poser votre regard un peu plus longtemps sur la belette,
vous verriez au niveau des lèvres une tache que l'hermine n'a pas. À part cela, toutes les hermines, belettes, fouines, ont un même défaut qui les rend très désagréables à nos yeux de compagnards. Alors, devinez quel est ce défaut. Mais si vous pouviez poser votre regard un peu plus longtemps sur la belette, vous verriez au niveau des lèvres une tache que l'hermine n'a pas. À part cela, toutes les hermines, belettes, fouines, ont un même défaut qui les rend très désagréables à nos yeux de compagnards. Alors, devinez quel est ce défaut. La famille des mustélidés a comme défaut majeur d'être incroyablement curieux. C'est plus fort qu'eux dès qu'il y a un trou, une galerie, un tunnel, un drain, une cavité, un tas de planches ou de cailloux déposés récemment, aussitôt, ils iront, et surtout la belette, visite ces endroits. Nous voyons donc que l'hermine est plus grosse que la belette, mais pas au point d'attraper un gibier adulte en bonne santé. C'est sa cousine Elété, lorsqu'elle perd sa tenue immaculée d'hiver, qu'elle ressemble énormément à la belette. Le seul point de différence est qu'elle ne peut pas rentrer dans les trous de souris, en gros, une pièce de 2 euros. Mais l'hermine mange comme sa cousine les petits rongeurs et surtout ceux qui ont un plus grand trou, à savoir les taupes et les rats. Et bien sûr, elle chassera tout ce qui bouge à terre comme les petits oiseaux, les levrots, les petites perdrix. Après, nous avons dans la même famille les putois. Et de nouveau, nous avons des expressions qui rendent les putois malvenus, comme sentir le putois à plein nez ou pousser des cris de putois. Bon, c'est vrai que cela fait ancien, mais cela donne un peu l'idée qu'on se fait de l'animal. Or, en le regardant de près, il y a une belle petite tête avec le museau, les sourcils, le bout des oreilles blancs et le reste en brun foncé. Il est d'une discrétion absolue par son silence, son talent pour pouvoir passer inaperçu, sauf quand il pousse des hurlements épouvantables.
et je crois qu'il pousse ses cris à l'approche de la mort lorsqu'il est pris dans un piège. Par rapport à l'odeur, de soi, il est inodore dans la nature. Il dégage son odeur de nouveau quand il est coincé dans un piège ou quand il est paniqué. Ce sont des glandes anales qui sécrètent un liquide désagréable pour notre sens du nez. Mais alors, d'où viennent toutes ces légendes? Écoutez cela après notre musique. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. Le sanglier et le putois. Par une journée d'hiver, dans une forêt lointaine, un sanglier voulait échapper à des chasseurs. La meute de chiens aboyait depuis des heures. Le pauvre animal courait à perdre haleine. À l'orée de la forêt apparut un putois. « Viens vite te cacher, » dit-il au sanglier. « Ma maison n'est pas très grande, mais te protégera. Personne ne vient chez moi ou n'ose pas m'approcher. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est ainsi. Ravi, notre facochère pénétra chez son nouvel ami. « Je sais pourquoi on ne vient pas chez toi, pardi. Mais voyons, ne sens-tu pas que ça pue ici ?» Notre gentil putois n'avait pas d'odorat et de sentir très fort le laissa pantois. Il se mit à pleurer, mais le sanglier lui dit « Ne te trouble pas comme ça, tu m'as sauvé la vie. Tu sais que tout service rendu n'est jamais perdu. Ma maison sera la tienne, je compte sur ta venue. » Le sanglier partit chez lui sans trop tarder et rencontra un chien de chasse égaré. À l'odeur du sanglier, il fut effrayé. Il y a du bon parfois à sentir mauvais. Ce que vous donne un ami peut vous aider, que ce soit défaut, qualité ou charité. Le putois s'attaque à des proies un peu plus grosses que les deux cousines, comme les rats d'égout.
allait comprendre alors les réactions humaines. Comme il vit souvent au bord de l'eau, le fait d'enlever toutes les souches lui enlève son habitat naturel. Et le rat musqué est alors heureux comme un roi puisqu'on lui enlève son principal ennemi. Nous allons maintenant passer à un autre mustélidé en parlant de la fouine, un autre petit carnivore, la fameuse voleuse de poules et d'œufs. Bon, par où commencer? Déjà, pourquoi pas par son habitat? En effet, si vous voulez découvrir et reconnaître une fouine, il ne faudra pas aller très loin, car c'est celui qui passe sa vie à quelques mètres de chez nous. Je veux dire, à la campagne, dans les greniers, les granges, les hangars, et surtout là où il y a du foin. Mais pourquoi cela? Ok, c'est tout simplement parce que la fouine recherche une température stable et tiède. Or, chez les hommes, c'est plus facile de découvrir ce confort dans les bâtiments agricoles. Cependant, si la fouine veut absolument garder cet avantage, il lui faut alors une très grande discrétion. Mais si la faim la tenaille, elle ira jusqu'au poulailler. Et là, impossible de rester discrète. En effet, la fouine tue alors tout ce qu'elle voit bouger et non ce dont elle a besoin. Est-ce que c'est par panique pour qu'elle tue tout ce qui bouge? On ne le sait. En tout cas, tous les crânes sont brisés. Mais pour rentrer dans un poulailler, il faut un trou de 8 cm de diamètre. Alors à qui la faute? Il y a un point que je ne vous ai pas indiqué. C'est de savoir comment reconnaître le putois. Je l'ai fait exprès,
car le putois a un jumeau, et ce jumeau, qui lui ressemble comme presque de deux gouttes d'eau, est la Marthe. Pour pouvoir reconnaître les deux jumeaux, il y a la bavette, et si l'on veut, car ce n'est pas obligatoire, la couleur de cette bavette. J'appelle bavette une bande qui part de la gorge pour aller à la naissance des deux pattes avant. Bon, d'accord, et alors? Eh bien, la bavette de la fouine est fourchue, donc elle voudrait descendre sur les pattes, alors que la bavette de la Marthe est comme un foulard d'un cow-boy, donc en pointe. La bavette de la fouine est blanche, sauf quand elle est sale, et la bavette de la Marthe est jaune, sauf quand le jaune est trop pâle. Remarquez que la différence scientifique entre les deux est apparue seulement en 1777 et que les deux sont d'une espèce différente. De plus, vous ne verrez aucune marthe en dehors de sa forêt. Son principal butin est l'écureuil, ce qui est pour lui un exploit, tant les deux sont vifs, lestes et acrobates. Il reste donc, et remarquez-le bien, de nouveau, d'attraper les écureuils malades ou tarés, ce qui n'est pas un mal en soi. À part l'écureuil, la marthe mange aussi les campagnols, les mulots et les œufs des petits oiseaux. La marthe, nous disent quelques chasseurs, s'attaque aux faisans, ce qui peut être vrai pour les faisans d'élevage qui ne connaissent pas du tout la campagne. Le vrai faisan sauvage, lui, connaît toutes les astuces pour éviter les mauvaises rencontres. Il nous reste à voir les deux derniers carnivores de nos campagnes, très faciles à reconnaître, l'un parce qu'on voit malheureusement son cadavre régulièrement au bord des routes, et le deuxième parce qu'on connaît son frère dans nos maisons ou nos villages. Les avez-vous découverts? Le premier
est le blaireau et le second est le chat sauvage. Si le gibier n'avait que le blaireau pour seul ennemi mortel, il pourrait se reposer sereinement, car trouver un animal plus sympathique serait bien difficile. Sa tête caractéristique blanche et noire, la seule avec ses couleurs de tous les carnivores, et son allure de mini ours pâteau doit y être pour quelque chose. Il n'est pas du genre à poursuivre les écureuils, les lapineaux ou les souris. Non, il est tranquille et très paisible. Le soir, à la même heure, il sort de son immense trou pour faire toujours le même tour de son territoire. Et là, il mange, devinez quoi, des champignons, des scarabées ou des gros insectes, des fruits tombés au sol qu'il a repéré, la truffe au sol. Il peut même creuser rapidement le sol pour y prendre des bulbes, des racines et surtout des vers blancs de hanneton. Ce qui peut le rendre désagréable, c'est dans les vignobles, car alors il aime dérober des grappes de raisin en tirant un peu trop sur les vignes. Donc, vous comprenez la suite. Le neveu du tigre est chez nous le chat sauvage, qui vit en lisière des forêts et surtout dans les pâtures à vaches. Mais il ne vous griffera que si vous le coincez à moins de 50 cm de vous. Les légendes ne manquent pas par rapport à ce chat sauvage. On passe de la légende d'un poids de 17 kg à celui de 7.
On passe de la légende d'assassin d'oiseaux à celle d'estomac contenant 96% de campagnol des champs. Comme il est dans les champs à vaches, le professeur Condé déclare que le chat sauvage mange environ 7000 campagnols par an. Maintenant, il est protégé. La belette, l'hermine, le putois, la fuine et la marthe ne sont plus des animaux nuisibles, mais peuvent être piégés, du moment qu'on ne vend pas leur peau. Le blaireau, lui, est resté comme le renard, des animaux pouvant être chassés. Elle est si douce et colérique, la peau nacrée d'un galet blanc, là où le vent glace l'armorique et se déchaîne les éléments. C'est ma terre, mon hermine, c'est le triskel que j'ai cousu sur la Bretagne qui fascine quand flotte le Guenadu. Elle est la route des chapelles où la nuit danse les korrigans, dame de la houle qui ensorcelle et vous entraîne dans l'océan. C'est ma terre, mon hermine, c'est le triskel que j'ai cousu sur la Bretagne qui fascine quand flotte le Guenadu. Terre d'histoire et de légende, terre de druides et de conteurs, forêt mythique de brocéliande, merlin magicien enchanteur. C'est ma terre, mon hermine, c'est le triskel que j'ai cousu sur la Bretagne qui fascine quand flotte le Guenadu. De l'île d'Ouessant à l'île de Groix, elle porte l'âme des disparus, l'âme d'une veuve qui ne sait pas que son marin ne viendra plus. C'est ma terre, mon hermine, c'est le triskel que j'ai cousu sur la montagne qui fascine quand flotte le Guenadu. Un point de vie au large de Saint, un phare au milieu d'un cimetière, tour de courage des incertains qui bravent la mer et savent se taire. C'est ma terre, mon hermine, c'est le triskel que j'ai cousu sur la Bretagne qui fascine quand flotte le Guenadu. C'est ma terre, mon hermine, de fourrure blanche revêtue dans cet hiver qui se termine, seul la jour d'or a survécu. Après avoir fait le tour des petits carnivores de nos compagnes, nous pouvons en tirer quelques conclusions pour nous et les générations à venir. En effet, vous avez remarqué que presque tous, à part les blaireaux, mangent à 95% même plus des campagnols, des souris, des rats, qui sont d'une certaine façon les ennemis des paysans, soit dans les champs avec l'herbe, soit dans les cultures avec les graines, soit dans les fermes où l'on remise les récoltes. Si on laisse faire la nature, elle se régule elle-même. Alors pourquoi vouloir éliminer une catégorie alors qu'elle fait partie de la chaîne alimentaire? Vouloir détruire une seule petite partie a des conséquences plus graves à long terme sur nos vies et sur la nature. Vous avez peut-être aussi remarqué que si vous laissez des trous ou si vous faites des dépotoirs, vous vous donnez un bâton à la nature pour vous faire battre. Alors soyons respectueux de la nature, de l'ordre et du travail bien fait. Et tout ira bien pour tout le monde, les animaux et les humains. À la semaine prochaine, au revoir et bon courage.